Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Congo. Et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures. Et la question qui se posait, c'est: peut-on vassaliser le Maroc? C'est quelque chose qu'il serait possible de faire à probablement assez moyen terme. La suite était de nos pérégrinations était d'attaquer Katsina. Déclin de la puissance des Nobouis, on s'en fout. Ici, on peut faire une revendication. On va en faire une sur quoi? Le Darfour, tiens. Allez hop. Commencer à attaquer un petit peu de ce côté-là. Et puis, tu vas revenir, mec. Alors, sa gueule chez les Mamelouks, forcément. Ça veut dire qu'il est temps de financer l'armée. Un petit peu. Ils seront combien les gens? 35 000 avec nos 30 000 hommes, ceux du paysan, ça devrait être gérable. Alors, l'influence des nobles, c'est casser la gueule, un truc bien quoi. Ici, on n'a pas de colons à rappeler, donc on va la laisser se terminer, on en rappellera un sur la plus avancée. Alors, non, on n'a pas besoin de ces milices. On peut perdre 25 000 de réserve, on perd pas de professionnalistes, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, ici ça s'entraîne, et ici ça se prépare à tataner du rebelle, donc tout va bien. On essayait de faire du blé pour pouvoir prendre notre institution. Notre prochaine cible est donc Massina, qui est garantie par Tunis. Hein. Mais Aragon et la France viendraient gratuitement. Alors je pense que là ça va être peut-être la première fois où on les appelait, mais on va les appeler. Ça va être une grosse guerre. On a moyen de bien se gaver. Donc on a quelques années pour refaire nos réserves, prendre notre institution et puis y aller quoi. Il est tech 20 lui. Tech 20? Attends mais tech 20? On est tech combien nous? On est tech 20 aussi, autant pour moi. Donc d'ici l'année prochaine normalement on sera ici à moins 5. On pourra donc complètement prendre les emprunts qui nous manquent pour prendre l'institution. Tout simplement. Institution qui se répand, mais voilà quoi, hein, c'est pas oufissime non plus. Ouais, donc ici on a 11 caf quoi. Ils viennent d'où ces 11 000 cavaliers? Bordel, c'est ouf. J'avais peut-être mis 5 caves en fait dans mes régiments, je pense. On va complètement refaire notre régiment là. On va les mettre 5 caves. 8 canons. Et ce qu'il faut d'infanterie, voilà. Ouais, puis du coup, pour pas avoir à tout refaire, on va faire 18 000. Donc ici, on prend une cave qui va là-bas. Une autre cave qui va là-haut. Et une autre cave qui va là. Voilà, parfait. Ça fera le job pour l'instant. Donc on va renvoyer quelqu'un s'occuper des pays voisins. Hein, pour toujours travailler un peu sur l'expansion. Bon, si on en est allé en Crète, c'est probablement que voilà, on n'est pas trop dans le mal. Les Pays-Bas sont bien posés. La France a vraiment pas réussi à repousser la Grande-Bretagne, c'est impressionnant quoi. L'Écosse survit, mine de rien. Avec les Micmacs comme alliés. D'accord, donc ça veut dire qu'elle est posée là, ouais ok, elle est posée là. Effectivement. Danemark a intégré la Norvège, visiblement la Suède a résisté et s'est fait défoncer, mais plus en union. Corruption. On gagne de la corruption, je perds pas de stab, merci. Allié aux hospitaliers. Oh putain, ils sont un peu loin tes alliés, ils sont où les hospitaliers? Ils sont là, non? Non, ils sont pas là. Ils sont la série de Tiberians qui sont là. Pardon. Je sais pas où ils sont. Vous êtes où? Ah oui, bah vous êtes là. Ouais, bon, donc c'est pas vraiment un allié qui est capable de t'aider si le Danemark t'attaque, quoi. Déjà, même s'il était plus gros, il faudrait qu'il traverse toute l'Europe, quoi. Drôle de choix, mais pourquoi pas.
Bon, là ça va péter, hein, y a pas trop moyen de l'éviter. Ça va péter, mais on devrait pouvoir gérer avec un peu de bol. Ça pète sous nos pieds ou ça pète en plusieurs fois. Dans les deux cas, ça devrait bien se passer. Ici, on va claquer un petit peu de. De prestige pour s'occuper de d'assainir les relations avec nos chers vassaux, histoire qu'ils nous donnent des sous et qu'ils viennent nous aider pendant les guerres. Ouais, alors ils sont pas prêts de dépasser mais la réserve militaire, hein, ça c'est clair. C'est toujours imposer la religion hein, qui pique, hein, mais techniquement ils nous aimeraient bien sinon. Bon, les techs, on n'est pas encore. Tant quand ça sera à moins 5, on commencera à perdre de l'innovation, on aura un message de toute façon. Ouh, l'Ethiopie masse des troupes sur ma frontière, attention. Ça déconne plus. D'ailleurs, ici, ça pète pas encore. Non, doucement, même pas, ça va péter d'abord chez mon vassal. Alors, parfait, la colonie est autosuffisante. Toi, tu reviens. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est encore Dawasir, t'as un Dawasir comme il profite à chaque fois. À chaque fois que j'y vais, il en profite quoi. En même temps, quand t'as les Ottomans collés à toi, t'as intérêt à être opportuniste, mais. C'est quand même un peu abusé. Alors, où est-ce qu'on va l'envoyer notre copain colon? On avait commencé à travailler dans ce coin-là. Hein. Ouais, bon, on va continuer dans le thème, c'est proche. Il y a moyen que, même si c'est des provinces à 3, il y ait des trucs commerciaux intéressants. On arrive quand même à ramasser un petit peu de sous. Bon, j'aurais bien voulu que la rébellion pète plus vite que ça, parce que ça coûte cher de maintenir l'armée, mais bon. On peut pas tout avoir. On pourrait rembourser notre emprunt, mais non. On va devoir en reprendre, donc ça sert pas à grand chose. Enfin, ça réinitialiserait les intérêts, vous me direz. Allez, les gens. Ouais, bah si, on va le rembourser, allez. Les fortifications négligées. Bah non. Enfin, on néglige pas nos fortifications, ça va pas, non. On a remboursé l'emprunt, on devra donc en reprendre, mais au moins ça remettra nos intérêts à zéro. Alors ici, les mecs, vous regroupez. Ici, t'y es presque. Allez, 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 merci. Les revendications, ça avance doucement. Ça y est, on y est, on perd de l'innovation. Et donc temps d'arrêter les bêtises. Alors, ça nous coûte combien? 3412. Bon bah go. Go go go. On va pas dépenser de points pour développer parce qu'on a deux tech diplo à prendre, on a qu'à 400 militaires et on a des doctrines à terminer en admin, donc ça n'a pas d'intérêt de développer pour diminuer le prix. On va donc prendre les emprunts qu'il faut, hein, tant pis. On va vérifier les marchands, mais je pense que c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, c'est dans 4 ans. Combien on a dit? 3400, oh, ça pique, oh, ça fait tellement mal aux fesses. On est gros comme pays en même temps, mais alors, on va être obligé de dévaluer. Hein. Ah bah on a notre mission là, économiser. Go. Là on n'a pas encore 20 manufactures, merde, ça aurait été intéressant d'avoir ce truc là. Dommage, très très dommage. Si j'en prends un autre, ça va être le drame, faut que je dévalue. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. On va donc adopter l'institution, voilà. Et donc du coup, bah, la tech, hein. Hop, hop. Ah, on peut même pas en prendre deux d'un coup, quoi. C'est triste. Voilà. Ça c'est fait. Et on a donc débloqué des bâtiments normalement extrêmement rentables. Même pas, c'est tout pourri. Ah non, c'est l'université qu'on a débloqué. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Bon, bah voilà, maintenant il va falloir rembourser tout ça.
Si on pouvait rembourser tout ça sur le dos de Massina, ça serait cool. De Massina de Tunis. Ça me ferait très 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 plaisir. Eux, ils sont toujours tech 20. Eux, ils sont tech 17. Donc on a du coup une avance technologique non négligeable. On va attendre que ça pète ici. Nos réserves sont remontées, mais c'est pas oufissime non plus, hein, faut l'avouer. Faut qu'on augmente ça. C'est douloureux, mais faut qu'on augmente ça. Ah, la détection des espions, hein. Tout le monde me craint, ils font tous de la détection chez moi, c'est ouf quoi. Tunis serait pas contre s'allier, mais moi je veux pas d'alliés, moi je veux des vassaux. Y a pas question qu'on ait des alliés comme ça. Ça ne sert à rien. La France en guerre, non, ok, fait juste des mouvements de troupes. Dans la quantité d'alliés qu'il a quoi. Il allie aux hospitaliers. Pourquoi pas. Ok, ici on est prêt. Est-ce qu'il faut que j'augmente le... Non, je peux même pas. Pourquoi vous faites chier? Je pose la question. Pourquoi vous faites chier, quoi? Du coup, ça va commencer à péter ailleurs en plus, non? Ouais, ça va. Ah bah là, ça descend carrément. Bon, bah du coup, on va rapatrier les troupes. Vous, bougez-vous, vous allez à Djéné. Puisque ça va pas péter de l'autre côté, enfin, ça va éventuellement péter chez notre vassal. Mais c'est pas tout de suite. Il n'a plus aucune troupe d'ailleurs, notre vassal. Il est passé où sa seule armée, hein. Il l'a dissoute. Drôle d'idée, j'ai envie de dire. Bon bah là, ouais non bah c'est bon, hein, on va claquer. Ouais ça fait décroître l'absolutisme par contre, ça c'est chiant, on a qu'à 8 d'absolutisme. Ouais bah non, je vais pas du tout faire ça quoi, c'est pas possible, du tout. Une répression implacable ça coûterait 71. Est-ce qu'un état serait rentable? Ouais, hein. Étrangement, ce serait quand même assez rentable ici. On va faire ça, on va faire un état là. Voilà. Et on va baisser l'autonomie direct. Voilà, comme ça ils vont vraiment gueuler. Et c'est qui gueule? L'éclair. Filer ça au clair. Hop là. Voilà, comme ça va vraiment gueuler. Au moins, ils sauront pourquoi ils gueulent. Et ça va péter. Et on n'en parlera plus. Et ça va non plus nous rapporter du blé. Bon, ça nous aura coûté 100 points de mine, tant pis. C'est la vie. Pas toujours faire des opérations intéressantes. Il faut vraiment. Voilà, parfait. Vraiment qu'on en termine avec cette rébellion là. Allez, défoncez-les. S'il vous plaît, merci. Voilà. Allez. Mettez une balle dans la tête de leur général s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de faire des zéros par exemple, ce serait cool. Merci. Putain, c'était dur. Hein. Ici on peut mettre 35 000 hommes, c'est nickel. On y va. Et cette année, pirates hospitaliers ont rasé les côtes de Sirte. Ben oui, alors là on va commencer à en avoir des notifs comme ça. Les 15 000 hommes, ils vont aussi y aller, hein. Il n'y a pas de raison qu'ils y aillent pas. On va s'occuper de ce qu'il y a ici. Donc là on attend de rapatrier l'armée, hein. Et après on ira s'occuper de ça. Alors Tunis... Tunis peut être une puissance navale, hein, donc faut faire gaffe quand même à ce qu'on fait. On va récupérer nos vaisseaux lourds, on va les envoyer là, et ici on va réarmer. Manque d'officiers, oh mais bordel, perte de 21 000 sur les réserves, putain vous êtes sérieux. Extrêmement désagréable. Je perds pas de professionnalisme quoi, on a déjà dit.
En même temps, j'ai que deux commandants sur 5. C'est peut-être pour ça que j'ai des événements pourris. Les nobles, ils peuvent pas m'en laisser un, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc comme ça. On va accorder un titre de général et derrière, on va demander 100 points militaires parce que pourquoi pas. J'aurais aussi pu exiger des troupes, mais c'est pas grave. Ah mais oui, j'ai mon dirigeant qui est général, c'est pour ça que je me disais, hein, le compte n'est pas bon. Ouais, alors pourquoi je l'ai foutu général? Bon, il est pas ouf, mais en même temps son héritier est tout aussi pourri, quoi. Sûrement que je crois que j'avais déshérité à un moment. Bon bah du coup on a 5 généraux pour 5 armées, enfin 4 armées, 5 armées, 2, 3, 4, 4 armées. C'est pas si mal. En attendant que les troupes arrivent, on va continuer l'entraînement. Ici on réarme, ici on réarme, ici on réarme. C'est parti les gars. Tunis, ça représente quoi? Tunis. Ça représente 32 000 hommes, hein, donc avec notre avantage léger technologique, on devrait pouvoir se les faire avec juste cette armée-là. Donc inutile de dire qu'en remontant un peu comme ça, là, avec deux armées là, deux armées ici, ça devrait plutôt bien se passer. Ici on peut mettre 31 000 hommes, on va y aller. Direct. Puis on va faire un truc propre, hein, je prouve. On verra si on appelle Aragon et la France, je suis pas sûr que ça vaille bien le coup. Pour l'instant on accumule des points avec eux. On en est où d'ailleurs? 44 points, alors on peut complètement augmenter un peu la confiance. Hop, voilà, ayez confiance en nous. On produit du bétail et des esclaves, ok. Ouais, le vrai problème c'est nos réserves. Il va falloir qu'on voit en fait. Si nos réserves sont trop dramatiques, il va falloir qu'on appelle l'Aragon, au moins l'Aragon quoi, pour nous aider. Parce que Tunis, son potentiel, c'est 55 quand même, hein. Il est encore plus à poil que moi en réserve, mais on essaiera de voir si on peut pas lui faire péter son alliance avec les Ottomans aussi, ça sera intéressant. Je pense que je vais pas trop bouffer Tunis sur cette guerre là. Parce que ça me coûterait trop cher en points. J'avais pas de revendication, enfin je vais en avoir une là, voilà. C'est un peu pourrave. Misrata. C'est parti. Les conversions, on continue. 31 mois, c'est un peu long mais bon, tant pis. On a des bateaux améliorés ici. Ouais, on a les vaisseaux lourds à améliorer. Le commerce de l'ivoire, parfait. Bon, bah nos réserves sont pas ouf, mais nos troupes sont bientôt arrivées, donc on va y aller. Hein. On va y aller, tout simplement. C'est lequel qui a notre conquistador? C'est celui-là qui a notre conquistador. Chirurgien militaire, parfait. Ah merde, on a été détecté. Alors, la France souhaiterait que nous partagions. On lui fait découvrir une province, on gagne 10 prestiges, mais oui, bon, oui, pas de soucis. Ça, c'est dommage. Hein. C'est très très dommage, juste avant la guerre, de se faire détecter. Bon, est-ce que notre vassal a eu le temps de faire des revendications? Ouais. Pas beaucoup plus, hein. C'est dommage. Bon bah du coup on va envoyer un mec en Grande-Bretagne. Grand classique. Si on pouvait calomnier les marchands grand-bretons, ce serait quand même super. Voilà, on est en position. On va donc se préparer au fight.
On va se mettre là. On va demander à notre vassal en fait de s'occuper de ça si on peut. On lui dira vas-y, va assiéger tout ça. Nous on s'occupera de remonter en tapant. En plus il est tech 20 notre vassal, c'est pas si mal. Hein. On attend quelques mois que ça remonte ici. L'Ethiopie, comment elle s'en sort? Bah pas si mal, hein, mine de rien. Oh non, elle s'est défoncée, ok. Je voyais pas trop de trucs pris, mais en fait, le score de guerre, il est assez dramatique. En même temps, sa capitale est tombée, ouais, forcément. Il se fait défoncer. D'ailleurs, on pourrait peut-être le vassaliser, lui. Parce qu'il peut pas nous saquer. Ah bah non, on a des provinces légitimes et tout, non, c'est pas possible. Le Maroc, je pense que si on se rapproche, ouais, mais faudrait prendre des trucs à Tunis pour se rapprocher, quoi. Donc, ouais, ça va être difficile. En tout cas pour l'instant. Bon, il est en train d'en chier en plus. Quand on aura intégré un vassal, peut-être. On verra. On aura débloqué des places. Bon, bah on est prêt là, hein. Allez hop, c'est parti. Non, pas Tunis, Massina. Massina, on appelle Aragon parce que pourquoi pas, ça nous aide. La France, on va garder quelques points avec elle. Pas la peine de l'user si jamais l'anglais décide de nous faire chier. Et puis, Tunis vient, oui. Les Mamelouks ne viennent pas. Pas très très étonnant, techniquement. Allez, c'est parti, vous allez là. Tout ça, on va dire à notre... ami le Pulse de s'en occuper. On verra s'il le fait, mais bon, bah on lui dit quoi. Et puis après, la suite, c'est à voir. Alors, est-ce que Tunis rejoint? Oui, Tunis rejoint, parfait. C'est parti. On va pas avancer trop agressivement. Voilà, on va se contenter de faire une première ligne là. On va embaucher peut-être un petit mercenaire dans notre dos pour prendre les trucs à droite à gauche. Au niveau des bateaux, est-ce qu'on voit des flottes? Oh, c'est pas ouf. Ah si, là il y a carrément 50 bateaux là qui ont chopé l'Aragon. Alors, conflit entre marchands. On gagne en mercantilisme, on gagne en prestige, on gagne des thunes. Non, on gagne en mercantilisme les gens, bien sûr. Bien sûr qu'on gagne en mercantilisme. Allez sur le fort vous. Toi tu vas là. Bon, je pense que Aragon va pouvoir s'occuper de ça assez facilement. Au niveau des bateaux, il y a peut-être moyen qu'il tire son épingle du jeu, hein. Il a quand même une flotte pas si dégueulasse. Et nous bien sûr on va soigneusement rester planqué. Bah ça du coup on pourra peut-être jamais le prendre, on verra. C'est pas un fort ici? Non, il n'y a pas de fort ici. Ah mais c'est dans la zone peut-être. Non, c'est le Kef. Ouais. Alors ici, où sont les armées? Ici on a quelques péons qui se baladent. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, on peut pas y aller à cause du fort. Bon. Là on a un autoroute, hein. Mais comme d'hab, il va pouvoir s'enfoncer un peu et derrière bah, il va falloir qu'il s'arrête au moins là quoi. Donc ça le fait marcher. Pour pas grand chose. Bah oui, enfin je veux bien, mais il faut encore que je puisse y aller à la forteresse. Vous êtes gentils, vous. Hop, on s'occupe de Tripoli. Solde retardé. Ah, mais bordel, ça suffit les événements pourris, quoi. Putain. Nos réserves, quoi. Faut arrêter. Je sais pas du tout où sont ces armées, il est fort probable qu'elles soient barrées par là. La malaria frappe une colonie. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Non, bah non, on paye. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ok, lui il va, je sais pas où, il peut passer là? Il peut pas passer, il faut qu'il prenne le fort, ouais, on est d'accord. Il a rentré ses bateaux au port, hein, donc il flippe quand même un peu devant la flotte
La flotte aragonaise. Ce qui est bien sûr très bon pour nous. Bon, je ne sais pas où sont ses armées. Massinelle, ses armées sont là, donc pour l'instant, elles se baladent. Ce qui veut dire que le Tunisien ne peut nous envoyer qu'un nombre restreint de troupes en même temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, l'Aragon débarque à 31 000, serein, direct là, quoi. À Djerba. Ah bah, très bien, parfait. J'ai envie de tirer... Ah non, il a décidé de ne pas le faire. Ok, ce siège-là est tombé, c'est parfait. On va s'occuper de ces armées-là. On est aussi nombreux, mais on a 4 techs d'avance. Donc du coup, on va le défoncer. Pas trop de doute. On a que 2 de manœuvre ici, c'est pas ouf, mais ça fera le job. Surtout qu'il a l'air de venir plus ou moins vers nous. Par contre, on a trop de caves. C'est quoi cette armée-là? Ah ouais, putain, on a beaucoup trop de caves, merde, sur cette armée-là. Fait chier, elle est pas du tout en état de combattre cette armée là. Merde. Bah tant pis, elle va pas combattre. Ce fort là va tomber et puis on ira s'en occuper avec eux, c'est pas grave. On va demander à notre vassal éventuellement de s'attacher. Ah, ici le Tunisien a senti venir l'arnaque et il a sorti ses bateaux. Ici on avance. Bah ici par contre, je sais pas ce que tu fous mais... Voilà, le siège de Tombouctou, c'est fait. Donc là, par contre, avec cette armée-là, elle est tout à fait à même d'eux. Non, vous allez rester groupés, vous allez vous occuper de la forteresse d'Aïr, et nous, on va s'occuper de ces cons. Je sais pas où sont les troupes tunisiennes, quoi. J'ai pas vu leurs troupes jusqu'ici. Ça m'inquiète un peu, quand même. Sur les bords... Le vassal a fait le taf, hein, ça fait plaisir. Il écoute un peu ce qu'on lui dit. Alors, il va à Dendi, ok, en train de se barrer par là. Très bien. Ici, ça va tomber. Guerre civile à Fars. Pas de soucis. Non, ça ne va pas tomber. Là, parfait, là on va la choper. Nickel, on aura une pénalité de traversée. Non, ah non, c'est les 1000 hommes qu'on va choper, zut. Ici on peut toujours pas y aller, là on n'a pas de droit de passage. Ici il a laissé juste un petit bateau pour empêcher de passer. Ah ça y est, Tunis est là, très bien. Pourquoi je le poursuis pas moi? Il va où là? À Kébi. Ouais bon on va le chauffer à Kébi, non. Y a pas moyen. Et ici on a 33 000 Tunisiens. Il doit normalement représenter toute son armée. Hein. 40 000, ça représente pas toute son armée mais presque. Donc il doit avoir quelques péons voilà, qui traînent à droite à gauche. Même si il faut qu'on surveille qu'il tombe pas sur mes mercenaires, ouais voilà, comme ça. Ouais, il est protégé pour l'instant. Le temps qu'ici ça tombe, parce qu'ici ça va tomber, n'est-ce pas, un jour. Hein. Grand classique. Donc ici on les a défoncés. On va donc revenir en speed là, s'occuper de cette armée là. Si possible avant que ça ne tombe, mais je ne sais pas si ça sera jouable. Ok, là il tente la sortie. Les bateaux sont partis je sais pas où, mais ils vont revenir assez vite à mon avis. Alors, où est-ce qu'il va? Il va aller là, parfait. On va attendre qu'il se lock et on va le choper. Nickel, ici ça se passe comment? Ici on est arrivé. Ah, passé tech 18 Massina et Tunis tech 21, on a donc plus d'avance pour l'instant. Ah, le siège du Kef est tombé, c'est parfait. On va prendre ses cons en sandwich. Bon voilà, l'Aragon maritimement il se fait dépioter. Hein. Ici on est à 21%. Va falloir qu'on y aille, ça y est, on est prêt. C'est parti, on arrive le 13 avril. Si je fais ça, on arrive le 25 avril, c'est pas mal. Donc on devrait pas avoir de malus puisque on est en nombre. Ici, lui il va là, on va le choper.
Si dès que ça c'est fait, voilà, on saute sur ces gens. C'est ici que l'action va avoir lieu. Alors on a quand même une discipline, je pense, qui joue. Hein. On a un chouille moins nombreux, faut que nos renforts arrivent. Putain la vache. On se fait défoncer. Les renforts. Allô les renforts, merci. Enfin, c'était tendu, hein. C'était tendu quand même. Cette armée là, elle va aller là-bas. Vous allez consolider. Voilà, on a quand même perdu pas mal de troupes. On va aller s'occuper des armées qui traînent. Donc ici c'est fait, on va aller se poser. Non. Vous non, vous allez là. Merci. Ici, on va se poser à Tunis. Et ici, on va aller se poser du côté de Constantine. Et là on va avancer avec nos troupes. Alors c'est chiant, il peut toujours sortir. Ah mais on peut aller là. Ah mais attendez, on peut aller là. On va essayer de voir si on peut pas aller poser une armée là. Bon, au pire on la perd s'il nous la bloque, mais on n'aura pas 1000 hommes qui viendront nous faire chier dans notre dos au moins. Donc là on va faire le siège. Ici tant pis, hein, on a une compo pourrie, mais à un moment... voilà quoi. Contre 1000 hommes, ça devrait suffire. Alors il va où lui? Il va à Lipkato. On va essayer d'y aller, nous aussi. J'ai l'impression que le Pulse, j'ai du pote faire des trucs, il fait rien en fait. Donc on va lui dire, vas-y, prends tes sièges mon gars. Au taf. Non, Aragon non. Non, Jima non plus. Pulse, voilà. Tous ces bateaux sont là. Indigène accommodant, parfait. Ah merde, il m'a bloqué. Ouais, dès que je commence à bouger, il y va forcément. C'est pas illogique. La Grande-Bretagne est en train de faire des revendications, mais sur tout mon pays quoi. C'est ouf. Ici vous les coursez. Plus que ça. Il va à Gao, vous allez à Gao. Il va là-haut, vous allez là-haut. Ici, on avance. L'Aragon, il fait le taf ou pas? Il se fait surtout défoncer l'Aragon, moi je trouve. Hein. Il a réussi à se coincer son armée à Malte, quoi. C'est complètement con. Oh, Tunis est tombé. Excellente nouvelle. On va avancer hein, du coup. Non, cette armée là on va l'éclater. Voilà. Cette armée là avec 4 de siège, on va l'avancer. Hop, ici. On va vous couper en deux. Ici. Ici. Et ici. Et Tatawin est dépris, bah oui, à cause de cette forteresse. Logique. Ici, on va s'occuper de ces cons. Voilà. Ensuite on va s'occuper de ces cons. Petite armée qui trace avec tous ses chevaux. Hein. Normalement son armée doit avoir eu le temps de se replier, donc elle va réapparaître à un moment. Faut quand même y faire un peu gaffe. Donc ici on va se contenter de chasser de la troupe tranquillement. Hop, on avance. Allez, on va se séparer en petits morceaux et on va aller. Merci celle-là. Voilà, s'occuper de ces sièges-là. Que le fort là va tomber incessamment sous peu normalement. Bon, les forts sur la côte à 21, c'est de la merde ces forts, hein, la vache. Ah ouais, c'est du fort de level 2, le pauvre. Ouais, ça tombe un petit peu comme des mouches son territoire là. Ce qui est bien, hein, on va certainement pas s'en plaindre. On produit du sel, c'est parfait. J'ai pas vu, on pouvait prendre des doctrines au fait.
Oui, on va complètement prendre nos doctrines. Ah, on a la corruption encore qui coûte aussi cher, on fait chier. Ouais. 1-5, ouais bon, tant pis, il faut avancer. Surtout celle-là d'ailleurs. Voilà, audit d'entretien terrestre. Ça c'est fait. Il recrute hein, le Tunisien, il n'est pas encore à genoux. Oh putain, oui d'ailleurs, j'avais pas vu ça. Heureusement, je me suis cassé. De justesse, on dirait. Tombouctou l'empêche de passer maintenant. Donc il est obligé de faire ce siège là. Donc normalement, ici ça devrait tomber avant, j'espère, parce que sinon c'est vraiment abusé. Ok, on occupe ça. Donc, on va ici. Vous, vous faites rien, vous allez là. Ici, va où lui? À Gobir, va à Gobir toi plutôt. Donc à faire, ça fera toujours 1000 hommes de moins à se balader. On dirait que mon vassal s'est fait me péter la tronche par contre. Il va réussir à le prendre avant moi, vous allez voir. Ça va être n'importe quoi encore. Ah non, il est là mon vassal, il est en dessous. Il est en dessous cette armée là. Mais ouais, hein, 78%. Ça ne veut pas tomber. C'est hallucinant quoi, ça veut pas tomber quoi. Bon, bah en attendant, on va se rapprocher un peu. Oh là là, on se tape une épidémie et ça redescend, non mais sans blague quoi. C'est un truc de malade. Ah bah au moins là ça tombe. Ah, puis l'Aragon a fini par réussir à poser des armées, mais c'est pas dommage. Allez, en avant. Bougez-vous. Oula, non. Non, allez là du coup. On va piller un peu, c'est pas grave. Là y'a rien à piller. Là y'a des trucs à piller. On va aller là. Y'a des trucs à piller donc tu restes. C'est bon. Oh là là, 0%, mais. Allô quoi. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Ça tombe pas là. Ouais, quand même. Allez les mecs, en avant. Faut qu'on les défonce hein. C'est de la step, tant pis, on profitera pas d'un avantage. Ah, il va me choper là. Regroupez-vous. Et prenez donc un petit général. Donc il peut passer là. J'aurais cru que ça le bloquait du coup. Ouais, du coup, il n'y va pas. J'avais pas vu qu'il était pas loqué. C'est-à-dire qu'on a quand même un potentiel de 40 000 hommes hein, dans le coin. C'est pas non plus n'importe quoi, on va essayer d'aller déjà s'occuper de ces 8000 là. Allez, on les attrape, qu'un peu de bol. Ouais, parfait, on les a chopés, ça va en faire 8000 de moins. Nickel, on laisse Taekwai pour plus, parfait. Là on est placé pour pouvoir tomber sur ces cons d'un peu partout. On a les Peuls derrière qui rééquilibrent un petit peu notre surnombre de cavalerie. Ah bah non plus maintenant. Ouais si, un chouï quoi. Ici, comment ça se passe? Il y a un truc ici qu'on peut prendre là. Hop. Go. Ce fort là va tomber, ce fort là va tomber et après ça sera plus que de la... province de merde. Allez, putain, ça, ils vont réussir à le prendre quoi. Oh, c'est passé. Vous allez par là, vous. On va les choper. Ici, on se découpe. Ouais, bon, l'Aragon va s'occuper de ça. Il va se les prendre, les provinces, mais on lui donnera pas. Hein. Autre chose à foutre avec nos points. Si je lui donne des provinces, ce sera éventuellement là, mais. Vous allez là-bas. Et puis vous allez par exemple là. Allez hop, c'est parti. Donc ici, on y va par contre. Le 15 avril. Le 25 avril. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Donc on va avoir Massina qui va, je pense, venir aider.
Ouais, voilà. Gros gros fight là. Gros 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 fight. Ouais, on perd pas mal de troupes, mais ça va, on lui fait globalement plus mal. Faudrait que les renforts arrivent, merci, voilà. Ouais, il compte même pas les troupes de Massina, tellement ils sont pourraves. Allez, faut que ça tombe là. C'est le général de Pulse qui fait le taf. Voilà, bon bah une fois de plus on a douillé. On va donc plus ou moins poursuivre. Ça c'est l'armée qui va. Ouais, ça c'est l'armée avec les autres. Donc celle-là, bah, on va la scinder un petit but. Et on va aller s'occuper de des trucs qui traînent. Où est mon général? J'avais pas de général sur cette armée, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai pris aussi cher. J'ai pas fait attention. C'est mal de ma part. Tunis, tu veux peut-être une paix, hein. Moi ce que je veux c'est au moins tout ton blé. Des réparations de guerre, pas besoin de plus. Après je peux prendre peut-être un ou deux trucs. 107 points, ouais, ça fait chier quoi. Ça fait un peu chier. Combien je touche sur cette thune? 914, pas si mal. Prends Tunis. Il veut pas, étrangement. Je prends cette merde, non il veut pas. Bah j'ai une revendication que là-dessus, mais franchement 36 points, même 36 points ça me fait chier quoi. Non, non, on va grossir sur Massina déjà. Là on prend tout le pognon. Livrer pas de guerre. C'est bon. Voilà. Du coup, on rembourse un emprunt, voilà. Et puis bah il reste plus qu'à gérer tranquillement le reste. Vous pouvez vous détacher les gars, il n'y a vraiment plus de stress. Donc ici bah, l'armée qui a 31 000 elle va revenir ici par exemple. Puis tout le reste elle va par là. Hop, hop, puis bah toi tu vas aller ici, puis quand il sera on te dégagera. Alors où est-ce que ça gueule? L'indépendance de l'Ethiopie. Ah bah dis donc. Finalement ça gueule là-bas. C'est marrant, ça s'est calmé d'un coup dans le coin. Bon bah du coup, vous avez un général avec 2 de mouvement. Ici on a 4 de mouvement, mais faut qu'on se regroupe. Ici sautez-lui dessus s'il vous plaît. Nous vous filer un général parce qu'on est un mec sympa. Il nous reste 2000 hommes là-bas mais ça vaut même pas le coup d'aller chercher. Alors on va commencer à donner tout ça au Pulse. On n'a pas promis de territoire à l'Aragon, hein. Il est venu totalement gratuitement. Ça c'est toujours aussi casse-couille à faire, hein, mais bon. Une petite conversion, c'est parfait. Ici par exemple. La Grande-Bretagne, bah voilà, la Grande-Bretagne fait des trucs, hein. La Grande-Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, j'ai envie de dire. Allez, vous, allez vous occuper de ça parce qu'ils sont en train de faire des sièges, c'est très con. Aussi ces 31 000 hommes là, est-ce qu'on peut pas leur foutre un commandant? Tiens toi, ta quête de mouvement, tu traces à Guédo, hop là. Bon la marche forcée c'est pas la peine, hein, ça va me coûter une blinde à traverser toutes ces provinces et ça ne sert à rien. Donc ici vous retournez pour chasser les pirates au golfe d'Aden, bah vous désarmez donc. Ok, donc là il est en train de se replier. Ah, on peut passer par l'Angleterre, intéressant. Du coup, allez par là. Oh, ici on a 400 infanterie quoi. 4000 caves et 2000 canons, c'est n'importe quoi. Ah, il va vraiment falloir que je retravaille cette armée du coup. Au niveau des remboursements, 800 il nous faut. Bon, ce serait bien que cette guerre se termine là.
remarque, je dis ça, mais ça se trouve, on peut déjà la terminer. On prend un max. Voilà, on va jusqu'à Tombouctou peut-être. On prend ça. Est-ce qu'il y a du blé? Ouais, pas ouf. On lâche Tombouctou et tu me files ton blé. Je lâche ça. Tu lâches ça. J'aimerais bien Tombouctou. Voilà. Ça me coûte 100 points diplo, et ben c'est pas si mal. Allez, c'est parti. On s'arrête là. On peut rembourser un emprunt. Et on a un mec, il est quoi, il est trop fort, c'est ça? Niveau de développement de 133. Et ben écoute, si tu penses que t'es suffisamment puissant, n'hésite pas à venir toquer à ma porte, on en parlera. Alors, un endroit où on peut mettre beaucoup d'hommes, genre pas 36 quoi. Ouais, 49 ça me paraît déjà un peu plus acceptable. Allez les gars, vous venez ici. Et on s'occupera du coup de gérer la suite de tout ça dans le prochain épisode. J'espère que ce petit épisode de conquête tranquillou vous aura plu. On a épargné Tunis, j'ai même oublié de lui enlever son alliance avec les Ottomans d'ailleurs, c'est pas grave. Ottomans et Autriche, normal. On ira s'en occuper éventuellement s'il y a besoin. La France est en train de se faire défoncer par la Provence, c'est original. Attaquant face à Provence, ok. Bon, je pense qu'il va se démerder tout seul. Dans tous les cas, on se retrouve eh bien, du coup dès demain, normalement, si tout va bien, pour la suite de notre petite série EU4. Merci à toutes et à tous.